Donc on va sortir d'ici. C'est Je parti. suis pressé. Bon, aujourd'hui un live un petit peu plus court que d'habitude. On va finir à 21h parce que j'ai pas mal de choses à faire par après. Comme vous diffusez une petite vidéo, j'ai envie de finaliser. Donc voilà. Bienvenue, Golden Monkey 93 ou 93. Encore merci d'avoir résolu mon peut dire les deux. puis-je sans faire. Ça dépend où. Bonjour Edouard. Je vois qu'il y a tous les habitués qui sont là. Bonjour le Darky, bonjour Donovan. Bienvenue pour ce live. Donc comme je disais au début, cette fois-ci on va enfin tester le mode aventure que je voulais vous montrer, ce donjon sous Blanche Rive. Parce qu'en plus j'ai enfin su comment on le débloque et puis j'ai enfin débloqué les Grisbarbes. Voilà. Donc cette fois-ci ça sera tout bon pour vous présenter ce mode à la fin. En tout cas je l'espère. Parce que rien n'est joué, rien n'est gagné. Attendez, parce que là j'ai un petit bug. Oui. La confrérie noire, elle est ici. Je ne peux pas me déplacer, pourquoi? Déplacement rendu opposé tant qu'il y a des ennemis à proximité. Ne jamais quitter la maison. Ils sont les ennemis. Vous allez fermer cet étage. Prends cette tête, les ignares. Satané vampire, ils sont toujours là pour foutre la merde. Et moi je m'y crée à distance. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas grave, Darky. Tant que t'es une bonne partie du live, pour moi, ça me va. Auriez-vous des informations sur cette maison? En cet âge, je suis occupé là-haut. Voilà. J'essaie de quoi il va me parler. Il va me parler de la fameuse maison avec le prince des draps. Où vous gagnez une des armes les plus puissantes dans le jeu, c'est la masse de moula balle, si je me trompe pas, ou un truc du genre moula balle, un truc du genre. Et puis avec cette quête du prince des draps, je sais plus le nom du prince des draps si vous me le rappelez, on gagne cette fameuse masse, voilà. C'est grâce à ce petit monsieur qui nous contacte entre deux. Voilà, cette fois-ci on peut enfin aller dans notre repère, ça veut dire la confrérie noire. Salut Dark Knight, salut Jojo, bienvenue à tous pour ce live, je vois que... Vous êtes tous là, les habitués. Ça fait plaisir de vous retrouver. Après, je sais pas combien de temps. Oui, je crois que ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas fait de live. Hein. Ouais, c'est possible, ouais. Cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, je vais faire un live aujourd'hui et également vendredi. Voilà. Vendredi, je vais essayer de faire un gros live de 9h30. Un gros live de 9h30, non, jusqu'à 9h30 plutôt. Donc voilà. 9h30, 10h, on verra. La soirée nous dira. Surtout que le vendredi, je sais qu'il y a un petit peu plus de monde, qu'il y a plus de temps. En passant, je sais que pas le vendredi dernier, parce que j'avais congé entre deux, donc j'avais autre chose d'occupation. Mais le vendredi d'avant, je vous avais promis un live, mais j'avais oublié que j'avais déjà quelque chose en fait de prévu. Et finalement, je vous ai pas fait le live. Mais cette semaine, ne vous inquiétez pas, vous aurez le live aujourd'hui et bien sûr vendredi. Voilà. Ah. Vous êtes de retour. Et entre deux, peut-être je vais vous faire alors, également un live. Parce que je suis en train de négocier pour avoir un petit jeu. Et peut-être si j'ai le jeu, bah, je vais vous faire aussi des lives sur ce jeu. Voilà. Les tâches que Nazir vous confie, je parie. C'est sympa. Ouais, vendredi, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui seront présents pour ce live. Donc ça sera beaucoup plus sympa. J'ai fait ce qu'il fallait faire, rien de plus. Je ne vis que pour servir et que pour l'argent et le meurtre. Oh, très bien. C'est parfait. Vous vous intégrerez sans problème, Trésor. Maintenant, j'ai besoin de votre aide pour une affaire de nature plus personnelle. Oui, dis-moi. Moi, je t'adore, Astrid. Donc là, on a 10 personnes. Merci à tous. Oui, je vais faire des mods comme c'est écrit dans le petit message en bas. Donc, on va faire la confrérie noire jusqu'à 20h. Donc, une petite séquence de confrérie noire. Et après, je vais vous faire le mode aventure. Que j'ai pas réussi à vous faire la dernière fois parce qu'il fallait débloquer les grises barbes et il fallait connaître 2-3 astuces. Et maintenant c'est bon, cette fois-ci je vais vous présenter le mode car je l'ai testé moi-même et ça marche. Voilà. Donc, mais j'ai fait juste le petit début, on va dire. Et comme ça, je vais vous présenter ce petit mode qui rajoute un donjon sous Blanche Rive avec un dragon au final. Donc ça peut être pas mal, hein. Un petit dragon qui est planqué dans les égouts, Stylara. Si, c'est rond. Depuis qu'il est arrivé, son oui, le meurtre et l'argent. Imprévisible. Et encore, c'est un euphémisme. Je crois qu'il est complètement fou. Mais c'est pire que cela. Il s'est mis à s'enfermer dans la chambre de la mère de la nuit et à parler à quelqu'un.
Salut, Shadow, le retour. Il s'exprime de façon frénétique. À qui parle-t-il? Qu'est-ce qu'il mijote? Je crains qu'il nous trahisse. Astrid, vous êtes un peu paranoïaque. Pas Cétis, nous devons les arrêter. Ainsi, vous comprenez mes craintes. Si Cicéron prépare un mauvais coup et qu'il conspire avec l'un des nôtres... Moi, j'aime bien Cicéron, c'est un vrai bouffon. Désastre. Je l'adore. Que voulez-vous que je fasse? Je le tue. Mon cher frère, vous devez pénétrer dans cette chambre et écouter discrètement leur conversation. Cela ne sert à rien de vous dissimuler dans l'ombre. Ils vous verront à coup sûr. Non... Salut, Skyman! Un endroit où ils ne penseraient jamais à regarder. Comme à l'intérieur du cercueil de la mère de la nuit. Oui, le cercueil, c'est parfait. J'adore ils être en contact avec les morts. Regarder à l'intérieur. Une personne saine d'esprit ne se cacherait jamais dans un cercueil. Maintenant, partez avant qu'ils ne se retrouvent. Venez me faire votre rapport dès que vous aurez appris quelque chose. En tout cas, pour l'instant, je compte faire la confrérie noire et la guilde des voleurs une semaine alternée. Donc là, je continue la confrérie noire vu que l'autre fois, je ne vous ai pas trop fait. Donc vendredi également aussi. Et puis la semaine prochaine, la guilde des voleurs. Et après, pourquoi pas les DLC. On verra ce que je vais faire par la suite. Finissons déjà la guilde des voleurs, confrérie noire. Si vous voulez les DLC, j'ai fait la majorité des parties des DLC en vidéo sur ma chaîne, que ce soit Dawnguard, Earthfire ou Dragonborn, j'ai fait en majeure partie sur ma chaîne, donc vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur les DLC, surtout sur la quête principale. Après, pourquoi pas des quêtes secondaires, mais voilà. J'ai pas mal torché ces DLC. Oui, il est chiant, Cicéron. Alors, vite, c'est parti. On va se cacher. Et cachez-vous dans le cercueil avant que Cicéron ne retrouve le traître. Salut, Rosalia02. Bienvenue pour ce live. Donc vu qu'il y a un petit peu plus de monde qui débarque entre deux, je répète, pour les autres ça doit être chiant mais bon. Donc on fait un petit peu la confrérie noire jusqu'à 20h vu que c'est un petit live un petit peu plus court que d'habitude. Et après à partir de 20h on fait le mode aventure avec un nouveau donjon sous Blanche Rive. On va tester ce petit mode alors. C'est parti, on va se cacher. On va aller se fricoter avec... avec les morts. J'adore le contact avec les morts comme j'ai dit auparavant. Et ben voilà, j'ouvre un cercueil et j'atteins le niveau 1, c'est génial. Toute l'image de l'acte. Santé figure, santé figure, santé. J'aime bien faire le coup. Alors, on va se cacher dedans, même si ça me réjouit pas, mais... Je compte trop ce qu'il a dit, le fou. Non, je joue sur PS4, si j'aime. Ça fait presque flipper là-dedans, hein, dans ce cercueil. Hein. C'est pas... Heureusement que j'ai un peu les lumières dans mon salon, parce que là... Sommes-nous seuls? Oui. Putain, j'adore ce match. Ça, tu l'adores, ce bouffon. Chère solitude... Personne ne peut nous entendre, nous déranger. Tout le mec qui a pété les plombs. Comme prévu. Les autres, je leur ai parlé. Ils viendront, je le sais. Le sorcier Festus Crex. Peut-être même l'Argonien. Et la petite vampire. Le mec a fait la voix de Cicéron, c'est comme un autre malade, j'aime bien. Oh non, non, bien sûr que non. C'est moi qui parle, qui observe, qui questionne, qui affirme. Et que faites-vous, hein? Rien. Ce n'est pas... Que je sois en colère. Jamais. Jamais. Cicéron... Je pense que c'est plutôt Cicéron qui fait les choses avec la mère de la nuit, je pense. Comprends toujours. Et obéis. Vous parlerez le moment venu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? T'as pété les plombs, mec. Mère de la nuit.
adoré. Salut MedMed0. Bienvenue pour ce live. Oh putain. Un si modeste serviteur. Il n'entendra jamais ma voix. Car il n'est pas l'oreille noire. D'un coup, j'ai plus envie de rester dans ce cercueil. Je sais pas pourquoi. Oh, comment vous défendre? Comment accomplir votre volonté si vous ne parlez jamais de personne? Oh, mais je vais parler. Je vais vous parler. Nous n'avons pas envie, hein. Finalement, je préfère Isolda, hein. Oui, vous. Je peux pas regarder ailleurs. Qui partagez mon tombeau de fer, qui réchauffez mes vieux os. Oh non, ça devient bizarre, bizarre, bizarre. Réchauffez. Rendez-vous à Volunrood. Allez voir Amande Mautier. Pauvre Cicéron a échoué. Pauvre Cicéron est navré. Oui, moi aussi j'ai l'image. Adoré. Salut Skyman. J'ai essayé, vraiment. Mais impossible de trouver l'oreille noire. Dites à Cicéron que le moment est venu. Dites-lui ces mots qu'il attend depuis des années. La nuit renaît sous le... J'ai reçu un message, je crois que vous avez entendu aussi. Oui, je vais bien, Skyman. Quoi? Quelle trahison! Vandale, osez un tel affront! Vous avez profané le cercueil de la mère de la nuit! J'exige des explications. Parle, vermine! Tu es jaloux, Cicéron, parce que tu fricotais avec la mère de la nuit, ou plutôt c'est elle qui a fricoté avec moi. Donc voilà, t'es jaloux. Je me suis fait violer par un cadavre. Elle vous a parlé? Assez de trahison! Être perfide et fourbe! Vous mentez! La mère de la nuit ne parle qu'à l'oreille noire. Et il n'y a pas d'oreille noire! J'ai rien dit, c'était de la merde. J'ai rien dit, n'écoutez pas. Attendez, elle m'a dit de vous dire, la nuit renaît sur le silence corrompu. Elle a dit ces mots. Elle a dit ces mots. Ta gueule. À vous! La nuit renaît. Finalement, j'ai de plus en plus envie de le tuer, même avant. Mais ce sont les mots exécutoires, écrits dans les manuscrits du gardien. Le signe pour que j'agisse. Le seul moyen pour mère de parler à son cher Cicéron. Alors, c'est vrai? J'ai vraiment envie de te tuer. Elle est de retour! Notre-Dame est de retour! J'imagine déjà ta tête quelque part posée sur un... sur une étagère de ma maison. Elle vous a choisi. Ou plutôt la tête collée contre le mur, un peu comme les têtes de cerf. Oreille noire. Voilà. Par Sithis, cela suffit. Écartez-vous, vieux fou. J'ignore ce que vous manigancez, mais c'est terminé. Est-ce que vous allez bien? J'ai entendu leur mue-ménage. À qui Cicéron parlait-il? Où est son complice? Montrez-vous, traître! Je n'ai parlé qu'à la mère de la nuit. Je lui ai parlé, mais elle... Oh là là, ça devient une dispute conjugale, là. Ça va plus. Elle ne parle qu'à une personne. Déjà qu'on a une voix de l'oreille noire. Quoi? L'oreille noire? Bon, si j'ai envie de lui couper la tête. Et lui mettre dans mon étagère, ou l'accrocher au mur. C'est vrai! C'est vrai! La mère de la nuit a parlé! Le silence a été rompu! L'oreille noire a été choisie! Ta gueule! J'ai su qu'il s'était aperçu de votre présence. Enfin. J'ai craint le pire. Est-ce que vous allez bien? Oh, Astrid, j'adore quand tu te fais du souci pour moi. Ça fait tellement de bien d'entendre une voix qui n'est pas stridente! Que se passe-t-il, nom de Sithis? Cicéron a parlé à la mère de la nuit, mais celle-ci s'est adressée à vous? Est-ce encore des divagations de cet imbécile? Oui, c'est très glauque le concept de parler des cadavres. Je sais pas, mais en général, quand vous parlez des cadavres, c'est que vous avez un sacré problème. Hein.
En passant, il y a quelques temps, il y avait un en Afrique, il a fait d'autres choses avec des cadavres, mais c'est encore plus inquiétant que de parler à des cadavres, hein, si jamais. Hein. Mais je ne dis pas plus de détails, vous imaginez le truc, vous êtes en train de vous imaginer dans la tête ce qu'il a pu faire avec les cadavres. Il faut dire qu'il était croque-mort, mais il a fait plus que parler, hein. Il a été vraiment très 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 proche des cadavres, encore plus proche que moi ici. Donc voilà, je ne dis pas plus. Hein. Et franchement, c'est véridique. Hein. Quoi? Ainsi, Cicéron ne parlait à personne, mais simplement au cadavre de la mère de la nuit. Et la mère de la nuit, qui, c'est bien connu, ne s'adresse qu'à la personne élue comme oreille noire, vient à l'instant même de vous parler? Oui, Astrid. Parsitis. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'il faut que je t'emmène aller manger à McDo, tous les deux. À McDo aux chandelles. Oui, Astrid, elle a dit ça. À Mondemoutière? J'ignore de qui il s'agit. En revanche, Volunrood, j'en ai entendu parler. Je sais comment nous y rendre. Ah oui, on va aller tous les deux. Allons, Astrid, tous les deux. Faisons une étape au McDo. Non, non. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est à moi que vous obéissez. Sommes-nous bien d'accord? La mère de la nuit s'est Oui, peut-être je ferai adressée tout à ce que tu vous, veux. mais je reste le chef de cette famille. Je ne permettrai pas que mon autorité soit outrepassée si facilement. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Allez voir Nazir et travaillez pour lui. Je viendrai vous trouver quand je serai prête à discuter davantage de cette histoire. Astrid, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est Viens trop d'informations, manger Mercure. avec Allez moi travailler un avec moi, Big Nazir. Mac J'ai et besoin de temps on pour sera réfléchir. inséparables. Bon, j'arrête. C'est la déchéance. Aujourd'hui, c'est la déchéance. J'ai mal au crâne, je dis de la C'est trop merde et d'informations, on fait de la merde. Mercure. Allez travailler un peu pour Nazir. J'ai Un besoin de rendez-vous temps au McDo, il n'y a rien que du plus pour romantique. réfléchir. On prend tous un Big Mac et ensuite on prend un Happy Meal et on offre le cadeau à votre dulciné. Laissez-moi deviner. Astrid n'a Bon, pas je vais aller précisé que c'était pour ramasser vous, mes cadeaux auprès mais de en attendant, ça ne Nazir, doit pas le... suffire. Ouh, encore un mot. Ouah! Achoum! Il est où? Il est où, Nazir? On va juste récupérer mon argent auprès de Nazir. Pour que je puisse l'inviter Astrid au McDo après, hein, quand même. Hein. Et après, on va commencer enfin ce mode à... Parce qu'on est bientôt à 20h. Ce mode aventure sous Blanche Rive. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux Vous qu'on danse sur la empestez de table? mort. Viens Je vous Astrid, je te salue. fais une danse sur la table. Attention, je vais enlever ma... Non, on arrête. Un peu de sérieux, s'il vous Ouais. plaît. Alors, qu'en est-il Bonjour, de ce Darkness. vieux mendiant, Narfi? Est-ce fait? Pas Mathilde est étonnant. morte. On dit bien que les mineurs concurrents se détestent à mort et que le travail à la mine est tuant. Je pourrais continuer toute la journée. Bref, voici votre paiement. Merci, jeune homme. Vous en... Félicitations. Vous avez tué un pauvre mendiant de sang-froid. Ah, il Quel rapporte bien ce redoutable mendiant, je pense. assassin vous faites. Voici votre paiement. Peu importe, des mendiants, des prêtres, je m'en Bonne fous. Je chance. ne vis que pour Essayez l'argent de ne pas vous faire tuer. et le meurtre. Et Comment s'est Astrid, bien passé sûr. votre entre... Bien. Au fait, j'espère que vous avez fait attention. Ces scieries sont toujours pleines d'échardes et de clous rouillés. Voici votre paiement pour cet excellent travail. Rosalia, pourquoi on peut pas faire de dons? Quel genre de dons? Dans le jeu, tu veux dire? Sur Twitch? Si c'est sur Twitch, c'est normal, vous pouvez pas faire de dons, parce que j'ai encore rien mis pour les dons. Hein. Mais je vais bientôt mettre ça parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Donc voilà. Mais pour l'instant, patiente. N'inquiète pas, de toute façon, j'ai vécu jusqu'à maintenant sans dons, je peux continuer à vivre pendant un petit moment encore sans dons. Hein. Tant de contrats et si peu de temps. Voilà. Écoutez. Bonne chance. Essayez de ne pas vous faire tuer. Non, je vais pas tuer tout le monde. Astrid ne va pas mourir. Je vais l'emmener au McDo, manger un Big Mac, main dans la main, cœur, main contre le cœur. Bon,
On va sauvegarder et je vais vous présenter donc ce fameux mode. Parce qu'on est bientôt à 20h, pile poil. Pour une fois que je suis à l'heure, c'est très rare. Donc je vais vous présenter ce petit mode. Le mode, il est ici même. Donc c'est le mode Dragon Under White Run avec mon onglet de malade. Donc voilà. Donc ici vous avez la description du mode. Donc c'est un petit mode en fait aventure donjon hein, qui rajoute un donjon sous Blanche Rive. Et en fait vous avez un peu les ajouts avec un dragon à la fin. Donc plus ou moins une ou deux heures de gameplay. Ça dépend comment on fait l'exploration. Donc on va essayer de speeder un petit peu pour faire une heure de gameplay. Ainsi vous le finissez en live. Tac tac bang bang. Et puis après je pète les plombs hein, si jamais j'ai un peu mal au crâne. Donc je dis un peu de la merde. Et après, si vous voulez, il y a la dernière section là, comment activer le mode, comment débuter le mode. Mais on va le faire ensemble, comme ça c'est beaucoup plus simple pour ceux qui n'ont pas trop compris. Et même moi j'ai galéré. Et en plus, l'autre fois que j'ai voulu le faire, bah, il n'y avait pas d'explication et c'était un peu la caca, hein, il faut le dire. Donc, pour débuter ce petit mode donc, avec ce donjon à Blanche Rive, il faut vous rendre tout simplement au repère des Grises Barbes, qui est le haut. World Gar, voilà. Bref. Vous rendez là, le repère des Grises Barbes, au sommet de cette montagne. Donc bien sûr, il faudra débuter la quête pour aller rejoindre les Grises Barbes qui s'appelle, je l'ai fait exprès de la regarder, la technique de la voix. Quand vous débloquez cette quête, bah, vous avez accès au repère des Grises Barbes et c'est ici même qu'on débute cette quête. Je suis au 100e commentaire, tu m'offres un McDo. Tu veux dire sur ma chaîne, t'es au 100e commentaire ? Bah t'inquiète pas, un jour je t'offrirai un cheeseburger au moins. Moi y a pas de souci. Moi je partage. Je partage le peu d'argent que les vidéos me rapportent. Attendez, j'ai complètement bugué là à un moment. J'oublie mon explication. Donc, vous entrez dans le repère des Grisbarbes. Vous voyez, les Grisbarbes ils sont là. Vous entrez à droite, voilà, ici dans ce couloir, et puis en fait, juste ici, vous allez trouver le bouquin, non, juste là, vous allez trouver ce bouquin qui est le Dragon Under White Round, et puis avec ce bouquin, vous renouvoilà. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ça m'a quitté le jeu, ça m'a quitté le live, ça m'a tout quitté, voilà. Mais je vous jure, de toute façon, il y a toujours des bugs, c'est pas vrai. Moi, je suis sûr que c'est ce mode. Hein. Ce mode, il nous porte le malheur, la malédiction, ce mode. Moi, je vous dis, ce mode, il est maudit. L'autre fois, on a galéré, on n'a pas pu jouer, on n'a pas pu faire cette présentation. Et cette fois-ci, il m'a nous foutu dans la merde. J'ai ouvert le bouquin, et puis ça nous a foutu dans la merde. Voilà. Donc, nous, on voilà pour ce live. Espérons que cette fois-ci, c'est bon. Ça m'a quitté le jeu, ça a quitté ce qui arrive, ça a quitté le live, on ne sait pas. La PlayStation a complètement pété les plombs. Tout a pété les plombs, voilà. Donc, comme je vous ai dit, on entre dans le repère des Grisbarbes, on tourne à droite, au fond du couloir, et puis le bouquin, il est là. Maintenant, on ne va plus le lire, on va tout simplement dérober. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Ça a complètement planté, mais... nous voilà. Donc... pour la suite de ce live, désolé, mais franchement, c'est pas moi qui ai annulé. Ça a quitté le jeu, ça a quitté le live, ça a tout quitté. Voilà, mais c'est pas grave, vous êtes toujours là, c'est ça qui est bien. C'est pas grave, tu peux garder plus belle la vie. De toute façon, si jamais, si vous voulez laisser un message qui restera un petit peu quasiment pour l'éternité sur ma chaîne, vous pouvez le balancer maintenant en profitant cette petite pause. Parce que bien sûr, ça sera rediffusé sur YouTube. Donc pour les personnes qui quittent entre deux le live, vous pouvez aller voir le live sur YouTube, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'être présent pour ce live. Donc on continue cette présentation de mode. Donc en entrant le repère des Grisbarbes, vous prenez ce bouquin là-bas et vous le liez. Et vous pouvez le lire si vous voulez. Et après, il faut vous rendre tout simplement à Fort Dragon pour continuer la marche à suivre pour débuter cette quête, ce donjon. Si vous voulez, vous trouvez le bouquin ici, et en trouvant le bouquin, en fait, ça active l'apparition de la clé dans les loges de Fort Dragon, et dans une des chambres que je vais vous montrer tout de suite, et c'est là-bas que vous allez trouver la fameuse clé pour ouvrir ce donjon à Blanche Rive. Donc voilà, bienvenue à Fort Dragon. C'est pas grave si vous êtes
à 20h30. En tout cas, merci d'être là pendant ce court laps de temps. Ça m'a fait plaisir quand même de vous retrouver après 2 semaines. Donc voilà, bienvenue. Darky doit partir très loin. Où vas-tu, Darky? Tu vas en vacances déjà? T'as de la chance si tu vas en vacances. Moi, je suis pas encore en vacances. Donc, on entre à Fort Dagon pour la deuxième partie, pour débuter cette petite quête. Et en fait, vous allez dans la chambre tout au fond ici à gauche. Puis c'est ici que vous allez dérober la fameuse clé pour enfin entrer dans ce donjon. Là, on a perdu un peu de temps avec ce bug, mais on va essayer de rattraper tout ça. Hein. No soucis. Hein. Oui, cool. Par contre, j'ai un blanc, je crois que c'est là. Que vous seriez enfant de dragon. Oui, je suis l'enfant de dragon. Assurément, ce n'est pas possible. Attendez, je crois que je me suis trompé de chambre. C'est possible. Je suis complètement en train de planter là. D'accord, bah bonne route vers Montpellier. Donc, j'espère que tu feras une bonne route. Et si jamais tu pourras voir pendant le voyage la rediffusion de ce live, tout ce que tu auras manqué. Mais je croyais que c'était là-dessus en fait la clé. Peut-être que je me suis trompé de chambre. Il arrive toujours des merdes dans ces lives. Je vous jure, c'est la catastrophe. On va faire toutes les chambres, hein, écoutez. On n'est pas à une chambre près. Hein. Normalement, je crois que c'était celle là-bas. Ou peut-être que je me suis trompé de porte en bas. Hop là, on y va. Donc, ça, c'est Fort Dragon. Ah, elle est là la clé. Voilà la clé de notre fameux donjon. Donc on va essayer de se repérer hein, pour pouvoir vous indiquer. Donc vous entrez dans la porte tout à gauche et ensuite vous allez juste à droite ici. Voilà. Je sais pas s'il y a un nom cette pièce. Et il y aura Povetus Avinici, le fameux chambellan du Jarl qui nous donne la première maison qui est Douze Brises, voilà. Je crois que c'est ça le nom. Puis c'est dans sa chambre que vous trouvez cette clé pour démarrer le donjon. C'est pas grave pour la gemme. Je joue en god mode là. Je suis balèze, j'ai pas besoin de gemme. Mais c'est une bonne astuce pour les gens qui regardent le live. Merci Edouard. Donc voilà, on va se rendre vers l'entrée de ce donjon pour pouvoir le speeder un petit peu et faire un petit peu le tour et vous le finir en live. J'espère que le live il est fluide parce que là, avec mon petit PC portable, j'arrive pas à voir quoi que ce soit. Parce qu'il est en train de péter les plombs aussi. Je sais pas si c'est ma connexion qui pète les plombs. Je sais pas pourquoi c'est pour ça que ça a quitté tout à l'heure, mais bref, voilà. Donc voilà. Donc l'entrée du donjon sous Blanche Rive se trouve ici en fait dans ce puits. Voilà, parce que des fois on se posait toujours la question, on voyait toujours ce puits tout le temps là et on se disait mais purée, pourquoi ils n'ont pas fait de donjon? Et bah il y a plusieurs personnes qui ont sorti des modes avec un donjon dans celui-ci qui est plus sympa. Où vous pouvez accéder à un donjon sous Blanche Rive, voilà. Il y a des gens qui se sont dit, ah là ça peut être pas mal comme entrée de donjon. Et c'est pas faux. Donc nous voilà sous Blanche Rive actuellement. Pour tester donc ce petit mode aventure. C'est parti les amis. Donc là on entre dans une grotte typique. Je me pose la question si on peut remonter en fait. Ah je pense que oui. Bah. Ah merde. J'ai fait le saut. Merci Jojo. Donc en s'accrochant à ce saut vous pouvez grimper. Ça fait un petit peu Tarzan mais bon. Si on tire sur le tour, est-ce qu'il tombe? Je n'ai rejoint personne pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai rejoint que les vrais, la coffrée noire, la guide des voleurs. Donc, de toute façon, ici, il n'y a pas de passage. Je pense qu'il y a un passage sous l'eau. C'est évident. Il y a le passage sous l'eau. Il est là. Voilà. Donc, pour l'instant, très sympathique, ce début de donjon.
Si je serais un Argonien, je pourrais nager jusqu'à l'infini et l'au-delà. Alors, donc à première vue, je me suis trompé de côté, mais c'est pas mal. Pour l'instant, il est très sympa ce donjon. Il n'y a pas d'accès, donc on replonge. Il fallait tourner à droite. C'est parti. Je suis prêt à dégommer ce dragon. Et il y a notre accès par là en bas. D'accord, là... Ah, en fait, le mec a tout prévu pour les mecs qui savent pas nager. Si jamais pour qu'ils puissent respirer un bon coup entre deux. Et ça, c'est pas mal. Moi, il a pas fait un truc trop compliqué. Pour l'instant, je ne vois pas du tout la... La sortie. Voilà, je pense qu'on est arrivé là. En fait, je suis arrivé au même endroit que tout à l'heure. Mais je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis perdu. Peut-être qu'il y a un autre accès là. En fait, c'est une arnaque ce donjon. Il n'y a rien en fait. En fait, il y a juste un mec qui se baigne et qui nage comme un couillon. Moi, je suis en train de crever. D'accord. Pour l'instant, je suis bel et bien perdu. Hein. Donc, j'ai débarqué de là. Et normalement, il y a une issue de... Normalement, ça va être là, la petite issue. Ok, on va y retourner. C'est parti. Donc, normalement, si je me trompe pas, c'est par là. Donc, normalement, ça va être là. Attendez. Je vais encore crever noyé. Moi je me foutais de la gueule des gens. Mais en fait, c'est, je vais vraiment crever noyé. Je vois pas du tout où c'est. Attendez. Je commence à bugger complètement. Mais quel singe je suis. Alors, attendez. À mon avis, c'est ce trajet-là. Donc c'est vers là-bas. On est d'accord. Voilà. Donc maintenant, on est juste. Ah voilà, ok. C'est bon, je vais le trouver. Je vais trouver la faille. Ouais, voilà. J'ai enfin trouvé. Alléluia. Quel saint je suis. Voilà, j'ai enfin trouvé l'entrée. Donc il fallait tourner à droite. C'est parti. Finalement, je vais jamais finir ce donjon. Je suis tellement à l'ouest. Waouh! Bah, pas de soucis, Darky. Merci pour ta présence. Et on se retrouve tout bientôt pour un. Y'a quoi qui est en train de me tuer là? J'ai pas compris, je me suis transformé en glace. Putain, c'est l'attaque des crabes là! Putain de merde! J'ai failli me faire tuer par une armée de crabes! Ils veulent se venger. Moi qui aime les surimi. Les salauds! Bon, on va se soigner. Bon, j'ai vu qu'un magicien entre deux ne te fout pas de ma gueule si je suis si nul en magie. Et je suis nul en tout, parce que là j'ai rien progressé en fait. J'arrête pas de jouer dans ma partie modée, mais dans ma partie normale je ne joue. Guère pas. Donc ici il y a rien pour l'instant, c'est juste une petite salle. Je sais pas s'il y a un petit cadeau, à part une armée de crabes qui vous fonce dessus. Non, il y a rien de spécial. Ah là peut-être. Toujours rien. Ah si, une mine. Un filon, voilà, des filons. Oui, j'oublie toujours d'utiliser ce sort clairvoyance. Pas mal, Edward, ton histoire. C'est l'histoire de ma vie. Alors, voilà. J'ai presque l'impression qu'on est retourné au point de départ. Ça ressemble. Allez, c'est parti. Si jamais on peut toujours se pendre à la base, tuyau. Donc, pour l'instant, il est très sympathique, ce donjon. On va vraiment dans les entrailles de Blanche Rive. Je sais pas où on est sur la carte de Blanche Rive, mais on est vraiment perdu sous Blanche Rive, là. J'espère qu'on n'aura pas à nouveau... Pour l'instant, on est toujours attaqué par une armée de crabes, de malades.
Action. Wow, one shot le crabe. Je suis trop fort. Attention. Il y a encore les... Les crabes veulent se venger de leur frère, mais ils vont aussi finir en surimi. Bon, ça devient dangereux là. En fait, on dirait que je réalise un petit entraînement d'archerie. Hein. Ah, merde. Je crois qu'il y en a un autre. Celui-là, il va me tuer enfin. Non, merde. On se tait. Ils ont des pouvoirs magiques, ces crabes. Ouais, pour l'instant, il est pas mal, Dojon, franchement. Je sais que tu pinces pour moi, mais arrête avec tes pinces. Il y en a encore un autre, mais bordel, c'est le cauchemar. On dirait qu'il marche même pas de crabe, on dirait qu'il se déplace, il se lévite. Il lévite, ça doit être des crabes magiciens tout ça. Moi je vous dis, ils sont bizarres ces crabes. Alors, d'accord, un bouquin. Je crois qu'il y a une arnaque, je sais pas pourquoi, mais j'ai déclenché un piège en fait mortel. On va tous se noyer. Alors ça c'est parti, donc là à mon avis il faut que je passe là dessous, donc il faut que je trouve une sorte de levier je pense. Non je pense que c'est pas du doigt mer, je pense que c'est un mélange de conneries doigt mer avec une autre connerie du mec. Encore des crabes. Putain, le mec il est fan des crabes quoi. Il y a des donjons où vous voyez que des ragnards, bah ici il y a des crabes. Oh putain, il y a des géants, c'est un alpha. Nom de Dieu. Je vais me faire tuer par le prince des crabes. Sacré prince des crabes. Il est où le prince des crabes? Ils ont dû lui mettre une petite couronne à ce alpha. C'est le mal alpha crabe. Putain, il était dangereux ce mec. Putain. Ces crabes, ils ont... On se méfie pas d'eux, mais ils sont coriaces, hein. Sacré bête, hein. Putain. C'est bon? L'invasion des crabes est finie? C'est bon. C'est vrai que c'est pas des crabes, c'est des vassards. Le monde de Skyrim. Ils trouvent toujours des noms à part. Vassard. Rayard. Toujours art. Ah. Non, je dis de la merde. C'est parti, on continue dans le donjon. Je pense que là-bas, c'est peut-être la sortie où on a été tout à l'heure. Là. Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas si on sort ailleurs, si on sort au même endroit. C'est une bonne question. Pour l'instant, il est sympathique ce donjon. Avec l'attaque des crabes, au moins c'est original. Hein. Oh merde. Bah, t'avais raison, hein, Rosalia. On arrive vraiment dans un donjon de mer. Des fois, je ne suis pas fan. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le piège. Moi, si je marche sur ce tapis-là, il y a un truc qui va s'enclencher, chef. Non, je sais pas. Non, c'est bon. Bonjour, FBK 972-972 pour les Suisses, comme moi. Oui, je vais bien. Bienvenue pour ce live, pour cette présentation de ce mode aventure qui s'appelle Dragon Under White Run. Putain, j'ai un accent anglais du tonnerre. Voilà, si jamais pour ceux qui viennent d'arriver entre deux, vous pouvez revoir la rediff du live sur YouTube et sur cette chaîne Twitch, comme vous voulez. Si vous avez loupé le début. En tout cas, bienvenue et merci pour votre présence. Pour un mardi, on est encore pas mal nombreux. Voilà, il faut le dire. Des fois, on est juste 8 ou 9. Le vendredi, il y a beaucoup plus de monde. Mardi prochain, il y aura un nouveau live si jamais. Toujours sur Skyrim et la Coffrey Honor en première partie et la deuxième partie. Je vais faire nouveau un petit mode aventure, je pense. Je pense que c'est pas mal les modes aventure en live plutôt que vous présenter une série de modes à la noix. Je pense que ça fait pas mal. Ouais, moi je sens aussi que ça va être le fameux guerrier centurion de merde, d'Ouémer. C'est pas d'Ouémer, de merde, non, merde, j'arrête les blagues. Tant pis. Donc là, il y a deux routes possibles. Écoutez. Je vais aller de l'autre côté, je vais essayer de choper un petit peu tout ce qu'il y a entre deux. Là, je vous montre un peu ce qu'il y a. Là, c'était sur les gants, les petits gorlets.
C'est sur quoi? Dextérité accrue. D'accord, c'est pour le vol à la pierre, donc voilà. Vu pour des voleurs, on est pas mal. C'est parti. Pour l'instant, un donjon d'OMR standard. Rien de très particulier. On va voir, on va atterrir, mais Dieu sait. Hein. Seul Talos le saura. Ça veut dire qu'il y a des ennemis. Attention, concentration, on va tester notre fertilité. Pour l'instant, il y a toujours les crabes. C'est parti. J'aurais dû prendre une boîte pour mettre tous les crabes à l'intérieur, des surimi partout. Ah non, c'est Araya. Pour changer maintenant, c'est Araya. Il marche tranquillou, mais il va finir one shot. Ah, là, ça devient un petit peu plus sympathique, un petit peu différent. Des coupes d'OMR, tout le tralala. Si vous voulez décorer votre maison façon d'OMR, hein, vous pouvez prendre des petites assiettes, des petits gobelets. Hein. Ça fait un petit peu plus classe que celle en ferraille. Oui. Ah voilà, là c'est bon, là on est dans la partie Ikea du donjon d'OMR. On fait nos petites emplettes. Hein. Pour notre maison, il y a Isolda qui va être contente hein, avec toutes ses affaires. Hein. C'est parti. Du doigmer partout, des cuillères, tout doigmer. Vous aurez la classe. Le doigmer, c'est la gamme entre deux. Hein. Vous avez le truc en ferraille, après vous avez le truc doigmer un petit peu plus classe. Ah putain, toutes les bêtes sont magiciennes ici, bordel. J'ai pas tellement envie de dormir sur un lit en pierre, ça va être pas tellement sympa. Bon, après peut-être les Raniens, ils s'en foutent. Hein. Ça sent la sphère, ça sent surtout la merde, ouais. D'accord, super, j'ai... Il y a des coffres vides. C'est peut-être une maison pour nous, hein, une partie de son donjon, on peut habiter là-dedans, mais je sais pas, moi ça me plaît pas des masses d'habiter là-dedans, avec les Raniens magiciens, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se casse? Il a eu peur de moi? Ah, oh, putain. Je sais pas si c'est une bonne idée d'ouvrir cette valve, mais on va le faire, hein. Moi, je suis inconscient du danger. Il se casse! Regarde-moi ce faux cul! Viens là! Attends, il y a mes chats, là. Ils foutent la merde, après, il se casse. Oh, mais nom de Dieu! Et il y en a un qui apparaît à chaque fois, cette valve est maudite! Il fait apparaître les ragnards, tout va? D'accord, pas d'accès, pas de porte, pas de portail. Je sais pas si ça a activé cette valve, mais ça sent l'arnaque. Moi je vous dis, ça sent l'arnaque. Bonjour! Non. Je sais pas, j'ouvre plein de valves. Avant c'était les crabes, maintenant c'est la fête des ragnards. Hein. Ça va être quoi après? Les loups, les renards, j'en sais rien. Ça y est, c'est barré où cet abruti? Bon, j'en ai marre. J'en ai marre de ces ragnards. Merde. Oh, on s'était! Voilà, one shot dans ta gueule. Voilà. Bon, on va continuer ce donjon. C'est parti. On saute. En fait, ça, c'est les épreuves. C'est les Jeux Olympiques de Skyrim. Hop là, sauter sur le pot. Combien j'ai fait? Ah, j'ai fait 2 cm de longueur. C'était de la merde ce que j'ai dit. Oui. Et voilà, la fête des ragnards magiciens, ça continue. Ah, putain. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas trop fan de ces ragnards. Au revoir, Rosalia, et merci d'être présente ou présent dans ce live. Je sais pas si t'es une fille ou un mec. Je sais pas si t'es une fille. En tout cas, merci pour ta présence. Et bon feuilleton. Ouais, les donjons, c'est pour bientôt. Exact, l'agence immobilière d'Weber. L'agence pour la classe moyenne. Je sais pas quand... En fait, on a fait juste le tour du donjon, là. Ça fait juste une petite tournante, là. Il est vraiment grand, ce donjon, quand même, hein. Ah, putain. Oh, cette terre, les ragnards magiciens là! Oh!
Ça, c'est des ragnards qui ont muté, qui ont... Ou c'est peut-être des magiciens qui se sont transformés en ragnards, j'en sais rien. Je panique. Je fais de la merde. Tu es où? Ah bon. Je vais commencer à boxer ces ragnards, moi, je vous dis. Il y a nouveau des lits. En fait, c'est une sorte de hôtel d'OMR, quoi. Si vous voulez vivre comme à l'époque des d'OMR, bienvenue dans ce donjon. Au-dessous de Blanche Rive, vous aurez plein de lits en pierre, des petits mobs d'OMR, de l'argent, des ustensiles d'OMR, et vous pouvez vivre comme à l'époque. C'est un retour aux racines d'OMR. Par contre, le lit en pierre, je sais pas vous, mais je le répète, mais ça n'est vraiment pas top. Hein. Dormir sur le lit d'OMR ou par terre, ça revient au même. Hein. D'accord, cette porte, elle est maître. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse l'autre tour. Le tour de l'autre côté, quoi. L'autre tour, ça veut rien dire. Je suis fatigué, je dis de la merde. Bon, on va aller de l'autre côté. Peut-être l'accès était vraiment de l'autre côté. Et de l'autre côté, on fait le tour et on arrive de nouveau dans une fichue porte maître. Mais je sens le truc venir gros comme un camion. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. C'est parti. Je commence à être malade. Malade par cette ambiance froide et douanière. Je me disais, c'est bizarre que je ne l'ai pas vu. En fait, celui qui m'a vu. Bon, j'en ai marre. Oh, je vais régler en compte d'une autre façon. Ça va chier, moi, je vous dis. Kenny Balboa, il est de retour. Voilà. Tu viens là. Ça va être un coup de poing. Il est où? Ils sont où, ces ragnards? Voilà, exact. Ils ont le pouvoir de se transformer en ragnard. Viens là. Je sais pas pourquoi, mais... S'il y a un membre de la SPA qui est en train de regarder cet épisode, il va me foutre en taule. Je suis en train de cogner des innocents... rats. Bon, c'est pas une espèce protégée, les ragnards. Hein. Il y en a plein dans bord des ciels. Hein. On n'est pas un ragnard après. Hein. Je t'en sautais, les ragnards. Voilà, une claque. C'est bon? Vous êtes calmé, hein? C'est bon. C'est qui vient encore? Bon, on va reprendre l'arc, hein. Ça va être plus rapide quand même. Donc, on reprend la route de cette partie du donjon. En tout cas, elle est très très différente de notre partie à droite ou à gauche. Très différente de celle-ci. Je sais pas si on va atterrir au même endroit exactement. Je suis sûr qu'il y a une porte maître de nouveau. Enfin, la nécessité d'une clé, je savais. Exact, c'est exactement ça, le donjon dégueulasse. Un hôtel d'OMR. Ouais, cet hôtel est infecté de tout le bûcheni. Je pense que... Il y a soi-disant une clé qu'on va trouver pour ouvrir cette porte. Mais où est-elle, cette satanée clé? Je pense que c'est par là. Hein. Pour l'instant, le mec qui a foutu ça... Qui a fait ce donjon, il est un petit peu dérangé quand même. Hein. J'étais à le préciser. Hein. Je sais pas pourquoi, mais des ragnards carbonisés partout, je sais pas, c'est de mauvais augure tout ça. Hein. Je sais pas pourquoi, mais avant on s'est attaqué à des crabes et des ragnards, mais là je sens qu'il y a un ennemi beaucoup plus coriace qui nous attend quelque part. Hein. Ça sent... Ah merde, c'est vrai, il y a le dragon en fait. Le dragon du donjon. Je sais pas où il est ce dragon, mais on n'est pas dans la merde. Voilà, maintenant c'est les araignées. Ça t'a des araignées. Je hais les araignées. Elle est où? Voilà. Les chats, ça mange des ragnards. C'est pas fou. Allez, on va suivre ta logique. On va bouffer du ragnard. C'est parti. Le ragnard carbonisé, ça va être très bon pour le cerveau. Il est où le ragnard? J'ai même pas chopé. Mais pourtant, ça va être un ingrédient en fait, le ragnard carbonisé. Oh, on va manger ça. Ça nous a rien fait. Bah, on est des vrais chats alors. On a mangé la queue de ragnard carbonisé, ça nous a rien fait. Bon. C'était quoi ça? Des cadavres d'humains.
Ah putain, j'ai cru que c'était l'ennemi. Mais non, c'est juste les trucs qui continuent à rouler. Pour l'instant, il y a plein de trucs qui sont enflammés. Je sais pas pourquoi, ça sent la connerie. Il y a des sacs d'os. D'œuf. C'est quoi ça? Ça m'intéresse. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des œufs de dragon? Non, des œufs d'araignée. Merde. C'est pas drôle. Sacrés œufs, ces araignées. Ouais, je préfère quand même le Bignac avec le ragnard carbonisé. Hein. C'est pas trop à mon goût. Il y a à nouveau des araignées? Je déteste les araignées. Voilà, one shot. Elle est où l'araignée reine? Il y en a sûrement une, hein, comme l'autre. Je sais pas si j'arrive à faire tomber ça, je pense que. Non, ça a pas marché. Merde, je me suis fait repérer. Ah, cac. Oh, c'est dégueulasse! J'ai l'impression que le gars qui a fait le mod, il monte la pression des personnes de petit et à petit. Oui, c'est possible. Hein. Plus on avance dans le donjon, et plus ça augmente le niveau. Hein. C'est fort possible. Hein. Voilà. Pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Hein. On one-shot pas mal. Hein. Plus que d'habitude, là. On a commencé par de la merde totale au début. Mais là, ça se passe pas trop mal. Je vous ai dit, hein, il a fait toutes les bêtes. Il a commencé avec le crabe. Il a commencé avec le crâneur, maintenant c'est les araignées. Le mec, il fait les kiffs sur les créatures. Je vous dis, maintenant, on aura des loups. Hein, ou des... Ou peut-être une armée de trolls. Vous imaginez le truc? Plein de trolls de glace. Le truc de malade. Impossible à battre. Une armée de trolls sur vous, je pense que ça va être la déchéance totale. Et voilà, on a réglé l'encontre à toutes ces vermines d'araignées. Oui, des gueules de père. Encore des œufs d'araignées. Attendez, je pense qu'il y a un moyen d'aller là-bas. Kelly n'est pas un athlète. Hein. Je suis pas bon pour les Jeux Olympiques, là. Ouais, le pire, c'est quoi? Ces satanés de gueules de père descendent du plafond. Là, c'est encore plus flippant, les gars. Parce que là, c'est flippant. Hein. Ça, je peux vous dire. Satané bête. Voilà. Donc, continuons notre progression. J'espère qu'on arrive bientôt au repas du dragon. En tout cas, je suis étonné parce que, franchement, ce mode... Il y a pas mal de choses. Hein. C'est varié en plus, avec des monstres variés, des décors un petit peu variés. Un coup on passe de mer, un coup on passe au système de grotte. Donc c'est pas mal. À mon avis, on va atterrir à la fin. On va atterrir à la fin au dragon. Et après, on va revenir dans cette salle pour débloquer cette partie-là. Ou peut-être on va atterrir à la derrière directement. Je sais pas. À voir comment ça va faire. Je me demande comment il a conçu son donjon. Watch out! Le chasseur d'araignées, c'est moi. J'ai super mal au crâne. Voilà. Oh putain, je me fais repérer. Et oui, ma belle, tu es morte. Voilà, je crois qu'il n'y en a plus. Normalement, on va encore regarder, sonner. Voir ce qui se passe. Il ne faut pas parler trop fort. Sinon. Mais non, c'est tout à fait. C'est pas des araignées, c'est des grivipères, c'est pour ça. Donc, les grivipères, ils peuvent faire comme ils veulent. Ils n'ont pas besoin de respecter un quelconque réalisme. Hein. Il faut voir tout ça. Donc, je continue par là ou pas? Je sais pas où il continue. Je me demande comment on peut avoir accès là-bas. Ah, ici, il y a une rampe de lancement. Putain, c'est chaud. Comment le mec il a prévu qu'on puisse monter là-bas dessus? Je vois pas, franchement. À part installer un mode où on peut sauter comme un chat
comme un vrai chat, pas un chat handicapé comme moi. Là, je ne vois pas du tout comment tu peux atteindre cette partie-là. À mon avis, c'est juste la déco, quoi. Bon. À mon avis, il faut qu'on crame tout ça pour pouvoir accéder à la suite du donjon. Oui, j'adore cramer tout sur le passage. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui peut bien nous attendre derrière cette porte ? Oui, il y a un mode pour faire sauter plus haut. Je l'avais testé, mais je sais plus comment il s'appelle. Hein. Mais j'avais testé dans un live. Hein. Si vous voulez, vous pouvez revoir mes lives. Il y avait un mode que j'avais installé où vous pouvez sauter deux fois plus haut, je crois, il me semble. C'est parti. Est-ce qu'on a rejoint l'autre partie du mode? Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, on a été vraiment dans le seul endroit où on ne pouvait pas accéder. C'était cette partie-là. Ensuite, en fait, on a été là. Ici, c'était la serrure de maître. Ici, c'était la serrure où il faut une clé. Donc, j'ai quand même bien procédé. J'ai quand même bien géré. Hein. En espérant qu'on arrive à la fin de ce live, tranquillou. D'accord, il y a un mec là. Mais à mon avis, c'est pas mon pote. Hein. C'est parti. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est aussi le moment de poser une petite save au cas où hein, on sait jamais si on va se faire entuber ou pas hein. Parce que je me dis on a quand même une avancée et il peut avoir une maladresse de ma part comme ça arrive très souvent. Je suis très maladroit. Voilà, il a rien fait venir. Moi c'était une mort bref. Voilà, ça donc c'est notre première vraie récompense. Une petite dague un peu enchantée, ça peut être sympathique. Attendez. Ça c'est tous des mecs qui sont vivants en fait. C'est tous des... Ah d'accord. Ou non. Non, c'est juste un trésor d'OMR. Bah on peut continuer notre déco d'OMR hein, comme tout à l'heure. Hein. Voilà, hop, ouais. N'empêche, on a si beaucoup de coffres, c'est pas mal sympathique. Et ben voilà, on peut continuer nos petites décos. Hein. Si jamais vous dites, mais purée, Kenny, comment tu fais pour jamais être en surpoids? Ça veut dire pouvoir tout le temps courir, etc. En fait, il y a un petit peu triché. J'ai installé un mod qui vous rajoute un anneau, comme vous pouvez le voir, avec une limite de poids quasiment infinie, quoi. L'anneau, il est juste ici. Si jamais c'est aussi un... Je sais plus dans quel live, si vous fouillez un petit peu dans mes lives, je vous ai montré ce fameux anneau qui peut être pas mal sympa quand même. Il est juste là. Il est où? Mais il apparaît pas l'anneau. C'est quoi ce bordel? D'accord, c'est bizarre là. Oh, peut-être ils l'ont mis dans les arbres. D'accord, il y a un bug dans le jeu. Donc normalement, c'est un anneau. En l'activant, j'ai la limite. J'ai quasiment aucune limite de poids. Mais là, par contre, je l'ai plus. Puis j'ai quand même la limite de poids illimitée. Ah d'accord, c'est quand même pas mal ça. Je pense que ma partie, elle est buggée. Hein. D'accord, oh bon, bah, tant mieux. J'ai même pas besoin de porter l'anneau. J'ai le poids limité. C'est génial. Je m'attendais même pas à moins que ça. D'accord, le profil est vide. Pardon, Kitty. Et voilà, ah bah voilà, tout ce qu'on peut faire avec notre... On peut continuer notre déco d'OMR, hein. Meubler notre maison, hein. Bon, on s'en fout, hein. On passe à autre chose, là, les gars. Donc ici, voilà. Est-ce maintenant on a eu la clé, en fait? Non, toujours pas. On est passé de l'autre côté de la porte. En tout cas, je vois que vous êtes beaucoup plus calme, on avance dans le live. C'est sûr qu'on avance vers... On arrive gentiment vers la fin de ce live, vers 21h. En passant, je vous dis comme ça, mais j'ai toujours pas mangé, je commence à vraiment avoir la dalle là. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de bouffe dans ce jeu. À part des ragnards, bon, c'est pas ça qui va combler
ma faim. Attendez, je sais pas où on va. Je pense que cette partie-là rejoint l'autre partie du donjon où on était tout à l'heure. On va quand même faire un tour. On va quand même faire le tour complet de ce donjon quand même. On n'est pas là pour rien. Je pense que là, on a fini avec les créatures et on va tout simplement passer vers plutôt des guerriers, etc. Vu qu'on a une autre premier guerrier tout à l'heure. Donc là, je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'on est revenu en arrière. Oui, en fait, on a rejoint... Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on est plutôt... Là, il y a plutôt des guerriers. Les dragonniers. Venez donc. Coucou. Et voilà, dans les boops. Bam. Moi, je prends tout, vu que j'ai pas de limite de poids. Bon, il faut que j'arrête de ramasser des trucs, ça me sert à rien. Penser des trucs intéressants. Et intéressant, on s'en fout. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qui est intéressant? S'il y a des potions de vie, tout ça, on peut prendre. Ah bah voilà, de la nourriture. Je vous disais tout à l'heure, je crève la dalle. Et puis comme par hasard, bah... Juste après, il y a de la nourriture. Maintenant, j'ai la dalle. Juste en voyant ce fromage, ces pommes et tout le tralala, j'ai la dalle. Qu'est-ce que c'était? Oh putain, le mec, il m'a même pas vu sauter. Oh, je sais pas, c'était une feuille qui est tombée. Hein. En plus, la feuille, elle est tombée là-bas. Hein. Le mec, il est vraiment sourd, aveugle, je sais pas. Je pense que c'est une taupe. Même les taupes, ils entendent bien. Je suis sauté là, le mec, il a été le voir là-bas. Je comprends pas. Des fois, ça me dépasse. Des fois, ça me dépasse, ce jeu. Il est quand même génial, mais il y a des trucs qui sont quand même amers. Ça me rappelle quand même... ça se voit qu'il a quand même un certain âge, ce jeu. Un certain âge. C'est quand même, il n'est pas tout neuf. Il est vraiment gigantesque ce donjon, je suis quand même impressionné. Hein. Il y a encore une autre partie ici. Bordel de Dieu. Donc la fameuse porte qu'on a vue tout à l'heure. Et elle est par là. Je l'ai pas vue. What? Attends, je comprends pas. Elle était là. Ah ouais, t'es là-bas. J'ai même pas vu. Attendez. Non. Ah si, là. Donc ça, c'est la porte qu'on a vue tout à l'heure. Qui était maître. Voilà. Donc on est revenu de ce côté-là. Et franchement, purée, mais ce donjon, il est incroyable. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça, de me promener dans les tuyaux. C'est parti. On va essayer de sauter. Je sais pas pourquoi, mais on va louper. Merde, je savais qu'on allait louper. On va double jump. Si on met une caisse, ça serait mon objectif. Je sais que j'ai pas trop le temps de faire le con, mais bon, j'aime bien faire le con des fois. Ça change un peu. Merde, on peut pas. Il y a quoi dans ces tonneaux? Me dites pas qu'il y a de la bouffe. J'ai la dalle. Oh non, non, non. J'en regarde plus. Hein. J'ai la dalle là, ça va pas le faire. Bon, on va continuer ce donjon. Je sais pas s'il y a un bug avec les commentaires ou autre. J'ai l'impression que le live est un peu figé. J'espère que ça marche toujours aussi bien. Dites-le moi si quelque chose qui plante. Hein. Pas de soucis. Putain, c'est un sacré labyrinthe, ce donjon de merde. Ils sont pas foutus notre gueule. Hein, quoi. Ils nous disaient une à deux heures. Franchement, il y a du contenu. D'accord. Donc on arrive encore dans une partie de la salle ici. Ok. C'est incroyable. Il est vraiment gigantesque. Hein. Écoutez, on va fouiller un petit peu hein, pour voir où ça nous emmène. Ça m'intrigue hein, tout ça. De toute façon, on est là pour venir. Et merde, nouveau la clique des bassards. Des souris, ça me donne ça. En plus, j'en ai dans le frigo. Hein. En tout cas, ici, il n'y a plus rien. Libérez-nous! Ah merde, on s'est fait tuer! Ah! C'est exactement... En fait, j'ai reflété la pensée des Vassars. Il y a quasiment plus de ralenti, là. Il faut que j'installe nouveau un mode pour les ralentis. Ça va pas, là. Il y a du laisser aller dans le jeu. Hein. Je sais que sur PC, j'avais essayé le mode de la... J'avais essayé là, les commandes console pour mettre les ralentis à tout va. Mais c'était un peu le bordel. Enfin, un commentaire.
Ah, le mec il nous a pas vu. Il est beau gosse, hein. Il est en train de dormir. On va voir. Allez, viens. Monte-moi ton fion. Ah non, voilà. Boum. Bon, les couilles. J'arrive. Ah, putain, vous avez des drôles de repas. Bah, vous bouffez des araignées, mais vous êtes crades, les gars. Vous êtes crades. Oh, oh non, moi je mangerai jamais ça. Ça m'a retourné le ventre, surtout que j'ai la dalle là. Non, je veux même pas y penser. À bouffer des araignées, laisse tomber. Laisse tomber. Ça m'intéresse nullement. Mais vraiment pas. Mais purée, ils nous amènent où ce nos gens? C'est vraiment là. C'est vraiment le abusé quoi. Je sais pas que j'arrive à finir ce live. Putain, il y a des accès partout et des portes partout. C'est vraiment balèze. Ah non, c'est bon, on est cette partie-là du donjon. On a fini. Attendez. Je me suis dirigé vers le mauvais lieu. Il y a encore un accès là-bas au fond. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a encore un accès à droite et à gauche. Mais il est impressionnant, le donjon. Oh non, encore à manger. Non, 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 me donne pas. Bon, j'ai vraiment faim. J'ai mon ventre qui ragouille à chaque fois. Allez, libérons les vassards. Non, les ragnards. Pauvres ragnards. Ils vont finir. Avec ma flèche plantée. Mais c'est... Il est où? Oh, merde. T'es où? Je vois plus rien. Oh. Arrête, ragnard vassard. Ragnard vassard, j'ai tout dit. Donc voilà. Ça, c'est réglé, les gars. Tac, tac, tac. Moi, je pense qu'il y a un bug avec les commentaires. J'en sais rien ce qui se passe, mais je pense que les gens, ou vous mettez plus de commentaires, personne ne regarde la vidéo, vous allez tous ouvrir la fenêtre. Je sais pas, bon. Comme ça, on avance vite. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah, là, on a des jolies armures avec des bons trucs. Ah, ça, c'est plaisant. Ça, c'est qui dit bonheur. Salut Gaiagos, salut, j'arrive pas à mettre des mods sur la One, ça met en notification et ça plante. Bah, il faut que tu mettes tes données, comment dire, il faut que tu mettes ton identification que tu as créée sur bethesda.net et après tu peux tout simplement, ah il y a des jolis trucs là, tu peux tout simplement accéder au mod. Après si ça plante, il y a vraiment un problème avec ton jeu. Hein. Il faut te connecter, c'est sûr, avec ton compte Bethesda. Si jamais, regarde ma vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai mis en fait comment on installe les mods. Si jamais. Pour les gens qui sont un petit peu coincés. Ouais, si jamais ça bug, ouais, tu peux aussi activer directement les mods sur le site. Ouais. C'est vrai. En tout cas, merci les gars. C'est bien que vous aidez les autres qui sont un peu perdus. Je n'ai aucune idée si je suis dans le bon endroit. Hein, parce qu'il y a un autre accès là. Je sais pas. En fait, là-bas, en fait, il n'y a plus de continuité. Attendez, je vais juste regarder pour pas que je revienne en arrière pour rien. Il y a ma manette qui bug à chaque fois, ça pile là-dessus. En fait, là-bas, je pense qu'il n'y a plus de continuité. Et en fait, je suis depuis tout à l'heure sur le bon chemin. Je vais juste tracer un petit peu. Cette partie-là, en fait, c'est juste un petit coin, en fait. Je suis sûr que c'est ça. Bah voilà, j'avais raison en fait. Je suis vraiment au bon endroit en fait tout à l'heure. Là, c'est vraiment juste une toute petite partie du donjon avec d'autres choses. Ok. Donc il n'y a rien d'autre à visiter. De rien, Gaiagos. En tout cas, les gens, ils ont essayé au maximum de t'aider. Moi, pareil. Ça fait toujours plaisir d'aider les gens.
Ah non, on peut continuer encore là. Attendez. Ah d'accord, donc il faut ouvrir toutes ces valves, je pense, pour actionner une sorte de mécanisme au final, je pense. Ouh, un dragonien. Et bam! Ah, enfin un ralenti! Mon nom de Dieu! Voilà! C'est parti, on active la valve! Donc là, pour l'instant, on n'est pas si mal. On va juste fouiller un petit peu les coffres, comme ça je vous montre un peu ce que vous pouvez attraper. Ok, augmente la capacité de la proie lourde, c'est pas trop mal. En tout cas, là, il y avait un truc qui était très sympa, c'était le truc de 40. Il est où? Il est où? Je vous dis ça. Ça, j'ai une régénération de magie 40% plus rapide, ça c'est vraiment pas mal quand même. Je pense que je vais le porter si jamais je dois me soigner, ça peut être pas mal comme truc. Non, pour l'instant, il vous donne beaucoup de stuff et des trucs vraiment utiles. Il y a un peu pour tout le monde en fait. Vous avez des trucs pour le vol à la tire, vous avez des trucs pour la magie, etc. Donc pour l'instant, c'est pas mal sympa tout ça. Ce mode aventure, il est cool. Et le donjon, franchement, il est gigantesque. Et il a mis un système là en activant les valves. Je me demande ce que ça va donner au final, mais je pense que ça va donner quelque chose d'assez sympathique. De toute façon des ennemis là-dedans. Ah non, pour une fois il n'y a pas d'ennemis. Cool. Activons les valves. D'accord. On va pas aller en anglais vu que je suis zéro. Normalement il y a une seule valve. Donc tout doit être ok là. Donc on peut se rendre dans la dernière partie du donjon où j'étais tout à l'heure en fait. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment gigantesque hein, le donjon. Hein. Surtout cette partie-là. Hein. Surtout qu'on est déjà venu d'une partie-là, on a plongé tout le tralala, et puis là, on a encore tout ça, franchement. C'est pas mal le boulot du mec. Hein. Même si c'est un petit peu des reprises de donjons d'OMR déjà existants et tout le truc. Mais franchement, là, c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Il y a du boulot derrière. Hein. C'est pas juste rajouter un petit chapeau de paille magique, etc. C'est vraiment... Il y a du travail. Il y a des gens qui veulent nous rejoindre, donc on est en train de tester un mode aventure sur Skyrim Special Edition. Si jamais vous pouvez revoir le live à la fin de celui-ci bientôt dans quelques minutes pour les gens qui viennent d'arriver. Voilà, on va continuer tout simplement. On va voir où nous mène enfin ce donjon, normalement à un dragon. Donc j'espère qu'on va arriver à ce fameux dragon. Et là, on va le tuer d'une seule flèche. Le Père Noël! Merde. Ah d'accord, toi t'es aussi con que les autres. Les dragonniers c'est pas très fut-fut hein. Merde, moi non plus. Voilà, ça c'est fait. Donc pour l'instant, vous croyez que c'est l'entrée de l'antre du dragon. C'est pas possible. Il y a un spécial. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont morts ici même. Ouh, suspense, on va atterrir. Pour l'instant, ce donjon, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Voilà, on a encore atterri dans une autre partie du donjon. Il est vraiment gigantesque, ce donjon, c'est incroyable. C'est incredible. Salut, Turox. Bienvenue pour la fin de ce live, où peut-être on va enfin avoir affaire à ce dragon à la fin de ce donjon. Mais en tout cas, pour ceux qui sont là depuis le début... Le donjon, il est vraiment incroyable. Rebonjour, Rosalia. Rebonsoir, plutôt. Je vis toujours dans la nuit. Et là, je vous fais un bon suspense. J'arrête quand on voit le dragon, un peu comme dans l'épisode 2 du Hobbit. À la fin, quand on découvre enfin le dragon, tout le monde est là. Et puis, bam, tac, arnaqué. Merci de voir le troisième épisode. Nous, on va faire la même chose. On arrive au niveau du dragon et bam, ça sera pour le prochain live. Non, quand même, je suis pas salaud à ce point-là, les gars. Pour l'instant, pas de dragon en vue, donc on peut continuer notre route, au cas où. D'accord.
J'adore les passages secrets. Oui, je suis excité de voir le dragon. J'adore le dragon. Ouh, ça sent l'arnaque. De l'argent, de l'argent. Y'a personne dans les tombes? Je sais pas pourquoi, mais... Tout ceci n'est pas très rassurant. Toutes ces tombes qui sont ouvertes, il y a un ennemi pas loin. Allez, dragon, j'espère qu'on est à la fin de ce donjon. Parce qu'on est bientôt à la fin du live également. Merde. Bonjour. Ah, 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 ah. Non, de Dieu, on est dans un méga labyrinthe. Je sais même pas par où je suis, je sais même pas par où je suis rentré. Attendez, je crois que je suis dans le bon sens. Voilà. Bon, on va pas trop fouiller, on va un petit peu tracer parce qu'on est à la fin du live. Ça, j'ai envie de finir. En tout cas, très très sympa le donjon. Très très différent une partie de l'autre. Et du challenge. Et en remarquant, on est arrivé au 60e commentaire. Ah, 70e, voilà. Je suis en difficulté normale. Hein. Je suis pas un PGM, donc je joue en normal. Hein. Ni en facile, ni en difficile, en normal. Quand j'avais des persos super buildés là, sur le PC, je jouais en mode difficile. J'ai déjà joué en mode légendaire, mais c'est quand même compliqué le mode légendaire. Putain, le ragnard, il vous fait un coup et vous êtes là, vous êtes mort. Ou vous jouez à fond à la discrétion pour one-shot les ennemis à tout va, ou pour essayer de garder à distance les ennemis. Mais franchement, en combat rapproché en légendaire, c'est quand même méga chaud. Hein. Parce que les ennemis, ils vous ont one-shot quasiment tout le temps, quoi. Kedi, tu sais ce que ça veut dire, YOL? Non, pas du tout. Je suis pas assez jeune, je suis trop vieux pour savoir ce genre de singerie. Je sais pas si les dragoniens dormaient ici, mais voilà quoi. Encore, ils ont des drôles d'idées. Après les lits en pierre, les cercueils, voilà. Il y a une armée de vampires qui m'attend en fait à la fin. Ça sent l'arnaque, vous sentez ça? Bon, je crois qu'on arrive vraiment à la fin de ce donjon. J'espère en tout cas. Regardez-moi tout ce bordel qu'on a fait. À part ça, on s'est trompé complètement de côté. Ah, voilà. Et comme je vous disais, les décors sont vachement sympas, comme vous voyez. Ça change encore une fois. Il y a vraiment eu du boulot pour ce donjon. Franchement, c'est incroyable. Ah, c'est un mot de pouvoir. Ok. D'accord, je pense pas que je vais faire le saut de l'ange hein, comme Assassin's Creed. Allez, c'est parti. Ah non. Vous avez cru, hein. Mais non. Alors... Où elle est la sortie? J'ai hâte de voir ce dragon. Ah bah voilà, ils sont là tous les... Ils sont là, tous les drogues. Tous ceux qui étaient supposés être dans ces... J'ai cru que c'était rêvé. Tous ceux qui étaient supposés être dans ces supposés cercueils, ils sont là. Putain, vous êtes trop des malades. Moi, ça fait tellement de temps que j'ai plus joué, je me souviens plus de tout ça. En tout cas, la furtivité, elle a remonté comme un truc de fou. Bon, je vais descendre, écoutez. Putain, j'ai atterri un nouvel endroit. Sans faire exprès, hein. Je voulais même pas aller là, en fait. Je voulais retourner où j'étais avant et puis je suis atterri là. Putain, je suis génial des fois. Je fais des trucs au hasard. Hein. Il est vraiment gigantesque ce donjon de malade. Tu m'étonnes qu'il faut une à deux heures pour finir. C'est quand même un truc de fou. Complètement dingue. Voilà, on se tait, s'il vous plaît. Ouh! Nom de Dieu, toutes ces potions, c'est la fête! C'est la fête hommage là! Là, les magiciens ils jubilent, hein! Là, tac! Toutes ces potions, bam! Oh là 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 là, des ingrédients et tout le tralala, c'est. C'est vraiment sympa!
Je me réjouis pour rien, mais bon. J'ai l'impression que j'ai ma tête qui va exploser là. Arrêtez, arrêtez de me spoiler. Wow! Ah d'accord, super ralenti. Hein. On voit le ralenti de Kelly en train de tirer. Ça sert à quelque chose. Ce jeu a été réfléchi. Oh putain! Il y a encore tout ça? Ah non, j'étais là-bas en haut. Ok. Ça me rassure. Oui, c'est sûrement rien. C'est juste un mec qui s'est fait dégommer par une flèche. Ce n'est rien du tout. Hein. Tout est normal. Il n'a rien à voir. Bienvenue. Salut, Kedi. Salut, Noah Boss. Je suis fatigué. Je me dis salut à moi-même. La déchéance. Je vous dis, la déchéance. Attendez, je vais tuer ces dragonniers là-bas haut. Ah, joli. Faisons le saut de l'ange. Ah voilà, j'ai même pas perdu de vie, je suis un ouf. Bon, il est où ce dragon, nom de Dieu? On nous fait des promesses, mais rien n'arrive. Non, on va aller en haut. Comme ça, pour tuer cette saloperie de bête. Saloperie de bête, c'est saloperie de dragonnier. J'espère que j'arriverai à la fin de ce donjon. Normalement, j'aurais dû vous finir ce live à 9h, comme c'est marqué, mais là, je vais finir ce donjon à tout prix, donc je vous tiens en haleine. Puis j'ai un petit peu de marge en passant. Voilà. C'est fait. Hein? C'est pas mal. Voilà. Mais purée, c'est pas où ce donjon? Il y a tellement de sorties, il y a tout de fou! Je joue toujours sur PC, hein. Moi j'ai eu Skyrim dans toutes les plateformes. J'ai eu d'abord sur PS3, après sur Xbox 360, quand j'ai su que les extensions sortaient d'abord sur Xbox 360. Ensuite j'ai eu sur PC et maintenant sur PS4. Il manque plus qu'Xbox One. Je suis le mec qui a acheté le jeu partout. Je suis complètement fou, je suis complètement malade. Non, ne pars pas. À bientôt. Un jour tu reviendras. Ça fait bizarre. Oh, c'est le roi dragonien. Il est en train de se barrer. Hé, hey, tricheur! On n'a pas le droit de se soigner, voilà. Pour ça, je t'ai foutu une flèche dans le dos. Ça t'apprendra. On ne triche pas ici. Moi, je me soigne pas non plus, donc toi non plus. D'accord? Tu m'as bien compris? Allez, t'as bien compris? C'est moi, le roi qui agite, qui t'entube. Oui. Je suis en train de péter les plombs, je crois que j'ai trop joué aujourd'hui. Rien ne va plus. Rien ne va plus. J'espère que je suis parti du bon côté pour ce donjon, parce qu'il y a toute une partie là que j'ai pas découverte. On verra bien. En tout cas, franchement, pour les gens qui sont là depuis le début, ce donjon, il est gigantesque. Salut, il est dur. La couleur du jeu. Ah, il y a sûrement un mode sur PS4, je pense, pour améliorer la couleur. C'est possible. Je sais que je suis en train de tester un peu des modes graphiques en ce moment, vu que t'en parles de ça. Pour faire des petites améliorations visuelles sur PS4. Même sur PC, il y a des sacrés modes de malade. Beaucoup plus sympa. Ah bah voilà, il est là, le dragon. J'ai découvert le dragon. Nous voilà. Le dragon est ici. On va faire le gros... Trop du cul, on va l'attaquer de piron, comme ça à chaque fois qu'il y a un problème on se casse. Il est là le dragon. Et puis voilà, on l'a enfin trouvé. Voilà la fin du donjon les amis. Je suis content. On a fait 1h01. 1h01. Oui, non. Oui, on a fait 1h01 parce que le bug a planté entre nous. Mais on a enfin le dragon. Allez, c'est parti. Le live se termine normalement à 21h, mais on finit de battre ce dragon. Et on a en face de nous un dragon complètement aveugle, hein. Kedi, le tueur de dragon. Ah 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 ah. Et voilà, c'est moi le winner. Ah
Allez, ta 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 ta, rien. C'est ça que ça la musique. Non. Non, c'est ça, c'est que ça c'est qu'on chope un cri à travers un mur. Ta 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 ta, rien. Ah non, ça fait aussi ça. Ta, rien. Le mec qui a complètement pété les plombs, qui a trop joué à Skyrim. Ça va plus. Rien ne va plus. Donc voilà pour la fin de ce donjon, les amis. J'espère que vous avez aimé. Parce que franchement, il était vachement cool avec le dragon à la fin. Même si j'aurais dû le buter à coup de poing, mais j'ai sûrement eu l'idée à la fin en passant. Donc voilà. On est arrivé à la fin de ce donjon qui était vraiment gigantesque, qui valait la peine. Franchement, je pense qu'en une heure, on fait le tour, c'est certes. Mais en deux heures, si vous fouillez beaucoup, si vous prenez un petit peu le temps, je pense que vous avez carrément deux heures dans ce petit donjon. Et en plus, on gagne toute la panoplie de l'armure Pendragon. Et c'est vraiment génial. Vraiment pas mal. Et draconique. Okay. Non, je me sens vraiment pas bien. J'ai mal au crâne. Je crois que j'ai trop joué. J'ai trop regardé la télé. J'ai la tête qui va exploser. Oh mon Dieu! On a gagné un Dragonien. Cow! Augmente la résistance aux maladies de 100%, augmente la résistance au poison. Waouh! Magnifique casque. Alors là, franchement, ça a valu la peine. Voilà. Je pense que là-bas, c'est notre porte de sortie vers la fin de ce donjon. On a tout fait. On a vaincu. On était là. Et bam! Il repart. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce live, cette découverte de donjon. J'espère que vous avez adoré ça. Et on se retrouve bien sûr vendredi prochain et entre deux pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau mod, sur Skyrim Special Edition bien sûr. Et je vais également vous faire vendredi normalement une petite vidéo de série à nouveau, parce que bien sûr je fais les séries et les jeux vidéo. Et bientôt je vais vous faire des lives qui mélangent les séries et les jeux vidéo aussi, ça va être pas mal. Donc nous voilà vers bord de ciel. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux pour ce live pour un mardi. C'était vraiment exceptionnel. On était à un moment 25 personnes et c'est vraiment cool pour un mardi parce que généralement, il n'y a pas grand monde, mais je pense qu'on s'approche des vacances. Donc c'est pour ça qu'il y a du monde. C'est cool. Mais normalement, à un moment donné, on est toujours une trentaine de personnes et c'est balèze. Eh bah oui, t'arrives à la fin du live, bon Louis. Mais c'est pas grave, tu pourras revoir tout le live sur Twitch. Hein. Les deux parties de live, hein. On passe sur la première qui a bugué. Est-ce qu'il y a un mode pour avoir tous les liens en même temps? Ça, je connais pas, mais en tout cas, je connais un mode pour avoir plein de followers en même temps. Voilà. Donc, nous voilà à la fin de ce donjon. De l'installer, parce que franchement, il était vraiment... vraiment archi cool, quoi. Vous voyez, cette partie-là du donjon, qu'il y avait du donjon, franchement, c'était vachement cool. Donc voilà, si vous avez un dernier message à me laisser, n'hésitez pas. Si vous voulez retrouver ce live, il sera disponible sur Twitch directement, bien sûr. Il sera également disponible sur ma chaîne YouTube à partir de demain, parce que le temps que ça respawn sur YouTube. L'avantage sur YouTube, c'est que vous aurez deux parties de live, parce qu'à un moment, je sais pas pourquoi, mais la console m'a fait quitter le jeu. Et je vais essayer de rassembler les deux lives pour faire une seule vidéo, comme ça c'est beaucoup plus sympathique, on va dire. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour vos commentaires, c'était vachement chouette de passer cette soirée en votre compagnie. Je commence complètement à péter les plombs et à bugger en passant, c'est pour ça que je chantais, je faisais... Bref, il faut que j'arrête. Donc. Merci beaucoup, donc si vous avez encore un commentaire à lâcher, n'hésitez pas, surtout que vos commentaires seront éternels sur ma chaîne YouTube dans la playlist Rediffusion Live, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui étaient là. Tout est à vendre, absolument tout. Si j'avais une sœur, je la vendrais sur le champ. Si vous vendez votre belle-mère, je vous l'achète. Je plaisante, bien sûr.